Bonjour, visite de l'appartement. Donc ça, c'est l'entrée. Donc pour mettre ses chaussures. Donc ça, c'est le couloir. Ça, c'est une pièce pour ranger des affaires, des conserves. C'est pas la pièce principale. Mais pratique. Donc ça, c'est le salon. Donc le salon avec la box, la télé. Je vous montre à l'extérieur. Donc en face, c'est un immeuble, c'est la même façade que l'immeuble dans lequel on est. Et derrière, on voit les pointes de l'église et de la mairie de Roubaix, pour dire qu'on est au centre-ville. Ensuite, la cuisine. Donc la cuisine. Avec une plaque, un évier, micro-ondes, des rangements. Voilà, je vous montre rapidement. En fait, là, on est au cinquième et dernier étage. Et derrière, c'est un jardin. Donc, il y a le four. Donc, le frigidaire et congélateur. Toc. Donc ça, c'était la cuisine. Donc après, le couloir vers les chambres. Première chambre. Deuxième chambre. Les étudiants viennent de partir, donc ils ont fait un peu le ménage. Donc un bureau, un petit coin rangement. Troisième chambre. Donc là, dans cette chambre-là, on a également une armoire. Donc une armoire. Et également un petit coin bureau. Donc là, il y a une armoire. Dans les autres chambres, il n'y a pas d'armoire. Bon, il y a des meubles, hein, des commodes pour mettre du petit linge. Par contre, pour mettre des affaires un peu plus importantes, on a une petite pièce. Bon, là, il faut que je fasse un peu de rangement puisque les étudiants viennent de partir. Mais là, on a une penderie en fait. Voilà. Pour y mettre des affaires. Salle de bain. Salle de bain avec une baignoire et un évier et puis des rangements. Les toilettes. Et je pense avoir fait le tour. J'ai réfléchi un petit peu, mais je pense qu'on a fait le tour. Et bien donc j'espère que l'appartement vous convient. Et peut-être à plus tard.